Oula, tu dois trop taper tout le child, t'as rien fait de mal. Je pense que c'était une combinaison des deux. Mon angle de visée avec le hook était trop à gauche et je suis pas assez allé à droite. Mais je vais juste pas shield, je vais juste attendre que mon go soit stun avant de shield la prochaine fois, je ferai plus gaffe. Bon bah je saurais, du coup tu peux te faire niquer si tu shield avec tes trois à gauche ici. Enlever la musique du coup. Ce fut court mais intense. Ah tiens, il détecte le trigger cette fois. On va savoir que mes triggers ne sont pas... Là, mon trigger droit, il est pas en train de faire ça. Hein. C'est juste qu'en fait, j'ai enlevé le ressort dedans. Et du coup, en fait, l'analogique ne marche plus. Et des fois, il est encore détecté en analogique, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, normalement, le trigger, il se stocke juste avant la position de faire ça, là. Mais des fois, il se débloque. C'est un peu chiant, d'ailleurs, en run, quand ça arrive. Allez, bah, retour du début, hein. C'est parti. Je viens de me taper le coude dans ma chaise. Comme si, moi j'ai plus tendance à l'appeler connard qu'à l'appeler Link. Hein. Donc c'est logique hein, de l'appeler connard. C'est un peu chiant de rater le rubis ici, mais bon. C'est pas non plus la fin du monde. What the fuck? Ok, très bien, d'accord. J'ai rien compris. Tu feras gaffe, ton pipo il twerk, hein. Je sais pas si Twitch appréciera beaucoup ça. Hein. Oh, on veut te faire foutre. C'est la soirée des chats dégueulasses aujourd'hui. Hein. Les deux rubis, hein. Allez, mec.
Je sais même pas où il est l'autre, il est derrière. Là. Oh oui, bien, oui. La jambe de Link, elle est encore sur le tabouret. Ça fait toujours marrer tous les glitchs avec le... quand t'as une jambe de Link qui fait n'importe quoi. Tu peux aussi avoir ça avec les coffres, c'était vraiment placé sur le coffre. Parce que le coffre, il... même quand il, a... il y a l'animation qui fait qu'il apparaît et tout, en fait, il pop du sol. Et du coup, si t'es sur le coffre au moment où tu vas... Enfin, au moment où le coffre, il apparaît, du coup, ça te fait... Ça te fait ça. Bonne nuit, Batou. Oh, cet escape est dégueulasse, hein. Merci pour la luck. Je pense que la prochaine run qui passe adulte sera la dernière. C'est déjà un moment que je run. Je fixe mes triggers pour arrêter de faire en sorte, enfin pour faire en sorte qu'ils se décollent plus, qu'ils restent vraiment bien enfoncés tout le temps. C'est un peu chiant quand ça arrive ça. Je suis sûr que c'est possible en vrai. Allez, c'est reparti pour les poules. Personnellement, je suis un grand fan des poules. Oh oui, elle est bien dans le coin là, super. Allez, ah oui, yes. Y'a pas grand chose que je pouvais faire là. Tant qu'on est dans le thème du child de merde, autant y aller. Hein. Oh, merci Nightbot. De me soutenir en étant d'accord avec moi. Woo!
Bon, j'ai eu la chance sur celle-là, la vache. Elle était vraiment là où il fallait, elle était juste devant le rebord, super facile à choper. Oula. Ah c'est bon. Je pensais qu'elle allait retomber sur la barrière en fait. Bon, je sais pas si ça passe ça, je pense aussi quand même. Ah, le post-buffering au puits, sérieux. Chiant. Ça lag comme pas possible. Allez, oui, super. Moi aussi, j'adore me faire enculer par le jeu. Allez, oui, c'est bien. T'avais jamais vu le trick du puits, ami meuf? Ah, il est trop bien. C'est un... En fait, tu over. Et à la frame où tu touches le sol, tu joues l'ocarina. Du coup, ça te fait jouer l'ocarina en tombant. J'en étais sûr. Putain, vas-y, c'est trop chiant quand il fait ça. Link qui fait du moonwalk là, tu sais pas pourquoi. Après, c'est ma faute, hein, c'est évitable ça. Est-ce que c'est le bruit d'une fée que je viens d'entendre là? Genre, il y a un des deux squelettes qui est tombé dans l'eau qui m'a drop une fée. Bah, let's go, mon gars. Ah, oui, bien. Et en plus, j'ai une RNG de merde. J'étais pas dans la Reading Zone là? Oh, bah, si ce child il est horrible. Oh la vache! Je crois que c'est le pire child qu'on peut avoir avec tout qui passe quand même. Ah
ça, au moins ça, ça passe. Allez, bouge-toi le cul, s'il te plaît, merci. Bon, ça va, il s'est pas arrêté au milieu. Ah là, typiquement, l'autre, il est trop loin, je peux pas y aller. Bon, ça va, il a bougé vite. On parle à Zelda à 13h51, à savoir que je ne connais pas la durée de la cutscene, du coup je vais voir ce que ça donne. Ça m'a fait mal. Pas 51, on a dit. Hein. Là, t'as une minute de dialogue, après t'as une minute de cutscene. Ouais, c'est ça, t'as encore une minute après. Enfin, c'est plutôt 30-40 secondes, quoi. C'est 4h30, je crois. Ça va finir vers 17 minutes, là. Ah, plutôt 3 minutes 30, du coup. Ah non, c'est exactement 3 minutes, du coup. Ah, vas-y, mais ça m'énerve de faire ça. Oh!
What the fuck? Tu peux me donner le shield? Merci. What the fuck? Alors ça, on l'avait jamais fait par contre. Le child de tous les bullshit. Non mais sans déconner, il s'est passé quoi là? J'étais trop loin pour qu'il me donne le shield? J'ai jamais vu ça. Hein. Ok, ça passe. Voilà une raison pour laquelle je n'ai pas de split avant hookshot, c'est-à-dire que là, si je regardais mes splits, je verrais déjà, je serais genre, je dois être à une minute de retard à peu près, et je verrais déjà le gros pouce 1-11 en rouge, là, ça me ferait chier, et du coup j'aurais envie de reset, alors que là, je m'en bats les couilles. Hey Olivier. Top 3 streamer favori, putain, let's go. Pourtant, je fais pas d'efforts en termes de streaming. Après, je suis pas vraiment un streamer au sens. J'essaie pas spécifiquement d'animer et tout. Juste, bah, je fais mes runs. Et je discute quand il y a des gens qui sont là. Après, je dis ça, mais c'est le genre de stream que j'aime bien regarder, moi aussi. Hein. Les streams très calmes. Genre, j'aime bien le stream de Axel en fin de stream, typiquement. Parce que le stream de Axel en fin de stream, c'est très très calme, c'est posé. Bon, bah, ZFG aussi, j'aime beaucoup. ZFG, il est capable de rien dire pendant 20 minutes. Ah ouais, ok, ouais. Ah, je connais pas Zentroten. Et je crois que je t'ai déjà vu utiliser ces emotes par contre. Ou alors il est passé chez Marco, je sais pas. Ah oui, ok, ouais. Oui, c'est un petit niveau quoi. Il se démerde. Ah, il est pas affilié, ok. Ouais, bah je dois confondre du coup. Mais j'ai déjà vu son nom quelque part par contre. Ça c'est sûr. Ça fait toujours marrer quand t'as des gens qui ont des putains de world records. Et ils ont une toute petite chaîne avec, avec genre 5 viewers tout le temps. Et leur titre de stream, c'est genre Any%. Ouais, c'est pareil pour Link Between Worlds. Ouais, bah tu vois, là, ça, hein. Petite chaîne comme ça. En vrai, je trouve ça drôle.
Ouais, c'est vrai que. C'est vrai que souvent c'est le problème avec. Avec OT, c'est que les autres jeux vivent dans l'ombre de OT. Ah, mon input viewer a encore crash. Par contre, cette fois-ci, il a eu la gentillesse de fermer lui-même. J'ai pas besoin de repasser par le Tax Manager. Ah ouais, c'est vrai que le speedrun de OT, je trouve ça dommage que ça éclipse le reste parce que c'est vraiment un truc unique pour le coup. C'est vraiment une combinaison très très unique de glitch qui n'ont aucun sens, de mouvements stylés et puis d'enfance aussi. Hein. OT c'est un jeu d'enfance aussi pour pas mal de gens, faut pas l'oublier ça. C'est what the fuck, mais pas assez what the fuck pour être dans le stade vraiment incompréhensible, quoi. Ah oui, bah c'est clair, hein. À part le early, la section child, entre une run MST puis une run... Merde, j'ai oublié de faire la HESS. Entre une run MST et puis une... Puis une run typiquement de 100% en OSRM, ça a rien à voir. Hein. Je vais dire MST et GSR, mais c'est pas vrai pour le coup. Ouais. MST et GSR, c'est peut-être les deux qui se ressemblent le plus. Parce que le début du MST jusqu'à la magie et tout, c'est le même. Pour le coup, c'est littéralement le même. Tu prépares la tienne en secret, let's go. Tu vas pouvoir World Record. Alors, est-ce que je vais encore me faire damper combo aujourd'hui? Enfin, encore, aujourd'hui. Ça m'est déjà arrivé tout à l'heure, donc ça peut bien arriver une fois. Ouais, c'est sûr. Avec 49, ça va être compliqué, hein. Ah, mais surtout si je fais ça. Hein. Ah, ça va être genre 51, ça. Ah non, 50. Ça aurait été 49 si j'avais pas raté le fast climb, je pense. Et cette immonde bouse de Child sera encore devant le PB. Hein. C'est dur le time save qu'il y a, putain. Bon, ça va encore ça. Du coup, je vais être à 3 quarts en entrant un shadow, je vais être à 1 quart, 3 quarts. C'est optimal, c'est bien. C'est la deuxième frame, ça. Il fallait bien que ça arrive un jour, ça. Hein. Et sinon, pour les cœurs, je vais me faire enculer. Merci. Ouais, faut pas abuser quand même.
Allez, on retente. C'est reparti. Ce qui est génial avec ce jeu, c'est que à chaque fois que tu penses que ça peut pas être pire, bah ça peut encore être pire. Plusieurs fois pour les bugs, by the way, hein. Mais c'est vrai cette histoire là? Je croyais que ça avait pas été confirmé. Oh oui, bon spawn de merde ça, oui. Oh vas-y. Oh ma vie est si nulle, putain. Ouais, bon, ouais, y'a moyen. Perfect, c'est ici. J'ai pas pris l'overboot. J'allais faire boot skip sans prendre l'overboot, moi. Ça, ça passe. Eh ben, compliqué ce run. Hein. Merci, Vivi. J'en aurais besoin. Bon après j'ai énormément de marge encore. Ok, ça passe. La run d'avant, je m'étais fait niquer, je suis mort sur Bongo. Pas compris. Ah si, j'ai compris pourquoi du coup au final. Mais...
Bon, au moins ça, ça passe. Je sais pas si je gagne ou si je perds du temps sur le PB. Mon PB se fait un peu niquer par les bugs, j'ai dû faire le setup non initial, ouais, c'est bon. Je gagne du temps. Voilà, mon PB est très bon jusqu'à... jusqu'à la petite clé du fire, après il perd 2 minutes. Oh, très bon. J'ai encore du time save et tout, mais bon, c'est pas non plus... Et on parle d'un 2,55 contre un 2,48, quoi. Oh, merci pour le sub, Livy. Merci beaucoup, ça fait plaisir. GG à Chalensois qui a des super emotes comme... comme Rinacer, Céleste et 10%. Il y a les mots d'une poubelle. Ça passe, ça. Ouais. Ça m'apprendra à faire des backflips à la con ici. C'est à toi qu'il avait pas fait auparavant. Tout est pardonné. Oh vas-y, j'ai raté la manie. Il a une très très bonne emote en tout cas. Bon, j'ai plus de bombe chou de marge du coup là. Ah si, parce que j'ai pas fait de la HESS à Kakariko. What the fuck, tu vois? Ah, Mikurina, ouais, elle est mignonne. Mais tes emotes, elles sont mignonnes. Hein. Je les aime bien. Oh, wow, 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 wow. Ok. Ça fait être tragique. Hein. Ouais, il est incroyable ce trick, Carlitos. Le Doom Jump. En plus, il est pas hyper dur. Hein. Je peux le faire après une petite demi-heure d'entraînement, je pense. Eh mais la hitbox du hookshot, c'est vraiment un délire. Hein. Ah oui, mais elle est derrière, oui. Je pensais que j'allais me faire niquer par l'attack tight. J'ai un peu envie quand même de tenter le...
Le méga flip backwalk là à Bolero, mais bon, c'est pour 4 secondes, c'est pas hyper rapide non plus. Puis j'ai juste envie de lancer des runs là. J'ai envie de jouer au jeu, j'en ai marre d'être en child là. Merci Nightbot de me diagnostiquer d'une skill issue. Parce que effectivement la Selk a le void sur le Simwalk particulièrement horrible. J'étais vraiment lent sur le pont, il faut. Quant à ça, faut pas faire le diagonal slash. Ah ouais? Ok. Oui. Congrats, Tracy. Did you end up getting the... the record you wanted? I forgot what it was, sorry. Because I've been out of touch with Ori, I think. C'est quoi ce gold alert? Il est trop bien! Oh, the Mario Maker level. Yeah, gotcha, yeah. Nice, congrats, man. It did look pretty bad. Not bad as in badly designed, but like, really fucking hard. Mais ouais, j'adore ce gold alert, hein, je dis. Is the fifth section supposed to be easier? Or did you just god gamer? Je sais pas pourquoi j'ai gold autant. J'ai dû vite la super slide, I guess. Ah yeah, gotcha, yeah. Especially with nerves, I guess. Thank you.
On voit Link qui se TP toujours au même endroit. Mais effectivement, ce Gold Alert, c'est le Gold Alert. C'est un runner de Celeste qui s'appelle Coral Reef qui avait fait un pop-off en voyant son late game. C'est genre en 2020, je crois. Il date ce clip. Ça va gold aussi, ça. Oh, what the fuck is that? Oh, shit, dude! What? Hey!
Oh, vas-y. Bon, ça, c'est le Covid. Souvent, c'est super chiant en backup hein, quand tu tombes ici. C'est très bien ça. C'est un très très bon split. Hein. Après c'est un split assez constant, hein, la small key, mais bon. Perdre une demi-seconde sur le PB ici c'est insane. Hein. C'est un peu chiant ça. Bon, je peux prendre un cœur ennemi sur le perdenseur, I guess. Ah, la Kiz elle est trop loin là. Une frame. Est-ce que Volvagia va être gentil?
Alright, let's go. Il était gentil. Bon, je joue un peu safe, hein, mais bon. C'est une putain de blague, mon gars. Je me fais tout le temps fiche troll ici en ce moment. Bon, je split un peu early. Alright, jungle jump. Le run killer. Bon, ça allait en vrai. Il est un peu troll, mais bon, c'est pas très grave. Thank you.
Arrête de faire ça, mec. Parce que je fais B trop tôt, hein. Je sais pourquoi ça fait ça. Un tueur qui recrache, évidemment. Je fixerai l'info du à la cutscene de PG. Ah oui, mais j'en ai marre aussi, je sais pas faire un flic. Oh. C'est un putain de sketch, mon gars. Bah oui, je dois reset du coup, parce que j'ai trop de vie. Je dois utiliser une bombe pour damage down, c'est de la merde. Je dois repraxer ce jungle jump, hein. Incroyable de damage down dessus, hein. Allez. Ah, félicitations. C'est passé. Ça au moins ça allait. J'ai eu deux notes, donc je peux skip le pot en allant à Jabu. De grille, putain. Qu'est-ce que je prends là? Ah.
Bon, je double hit sur Phantom Ganon du coup. C'est bien encore largement faisable. Bon, c'est trop tard pour changer le... pour remettre l'info du joueur. De pouce buffer en trop, mais bon, c'est pas très grave. Il est vraiment large ce truc en vrai. Avant il me faisait peur mais vraiment... Je suis trop maintenant. Même là je me fais fiche troll. Hey!
Saved by bomb drop RNG. Alright, on est bien là. Je vais peut-être pas repasser devant tout de suite, mais... Je suis très très bien là. Parce que du coup, j'ai pas perdu de bombe dans le water.
C'est incroyable. Arrêtez le backflip, c'est ma faute. J'ai backflip trop tôt, mais... Enfin, je fais A trop tôt, du coup, j'ai pas backflip. Ok. Bon, ça reste très bien. Pff, 15 bombes, c'est vraiment bien, je pense. Ouais bon, j'ai une chatte commesse sur ce run. C'est vraiment bien ça. Yeah.
Oh mais j'en ai marre de faire cette erreur. C'est trop tôt ça, putain la vache. Ça a l'air bon. Yeah.
Passe. 3 secondes du gold, c'est excellent. Hein. Très très bon, j'ai vu Rongoir. Une pause, parfait. J'ai eu un peu peur quand j'ai senti le timing de ma pause, je pensais que j'étais une frame late, mais c'est bon. Comment ça se fait que c'est le jour ici? Bon, j'ai encore pas mal de gros time save. Hein. Vraiment débile ça comme fail. Ça t'a vraiment beaucoup de frames pour Jumpstaff ici. Est-ce que je me suis relevé après le push tab? Personne ne sait.
Ça marche, bah bonne nuit, vite. Des bisous également. Après, un drop, c'est assez. Si t'en as moins, c'est chiant, mais bon, tu fais du peu pour. Oh non! Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Key, but it works. Yo, good night, classy. J'ai vraiment perdu beaucoup de temps là.
Ouais, Chal, en soi, t'as eu un qui sauve de Lily. GG à toi. Tu pourras utiliser les super emotes. Ah oui, pour pas se faire, pour pas que ça passe à travers, ouais. Ah, j'ai toujours essayé en général de me mettre à peu près au milieu, mais c'est vrai que c'est peut-être plus safe de faire comme ça. Oh, ça me casse les couilles, putain. Putain, mais c'est que des erreurs de merde, cette run, sérieux. Tout ça parce que j'ai crouchetable trop vite comme un abruti, là. Ouais, elle va me donner du feu trois fois, là. Non, je sais exactement ce que j'ai raté. Ça. Ouais! Trop bien! La run elle était bien jusqu'à ce que je tombe comme un abruti là, au milieu en shield. Au milieu c'est bien, ok, ça marche. Bon, va falloir se refocus pour les trials. Ouais, faudrait que je fasse ça. J'ai toujours eu peur de tomber. Si jamais. Enfin, genre que son tir me fasse tomber de la plateforme. Il faudrait que je pratique juste le fait de se mettre assez loin pour pas se prendre le tir et pour pas tomber, quoi. Ça doit pas être très très dur en vrai. Parce que le jump sash, ouais, ça fait lock de fou. C'est horrible. Hein. Enfin, j'imagine que c'est ça qui lag parce que les top players ils lag pas et puis ils se mettent sur la plateforme. Allez, 3 de me faire fiche troll encore une fois. C'est la run du bullshit aujourd'hui. Donc, hein. Non, ça va. Allez, un petit crit wiggle là pour finir la run. Vraiment pas de chance, hein. Je me fais même pas crit wiggle. Ça me fait chier de devoir compter sur les trials pour sauver cette run par contre. Hein. C'est quoi ce setup? Bon, je sais pas, c'est dans la vidéo de... Je sais plus qui... Enfin, la même personne qui a fait les V2020, là, pour les... Pour les setups. On est tout dur, encore crash, je le remettrai après.
Bon, j'aurais, je vais pisser. J'ai une serviette sur ma table quand même hein. Parce que bon, les mains mouillées sur la manette mais ouais non ce setup c'est dans le bah tu vois la personne qui a je sais plus c'est je crois que c'était Fig qui avait fait la vidéo V2020 là pour les setups de Shadow Cutting Skip. Bon, j'ai suivi la même personne pour Spirit Cutting Skip. Je l'ai littéralement jamais raté. Ah si, il y a une fois où je me suis fait créer Twiggle en faisant le slash. Mais c'est vraiment la seule fois où j'ai raté. Quoi. Et si ça t'arrive, c'est vraiment vraiment pas de chance. Quoi. Il y a peut-être un setup qui s'en bat les couilles du créer Twiggle. C'est un roller coaster cette run en tout cas. Même si ça finit pas. Qui est Shadow Trial. Je me sens pas à l'aise sur l'ISS là. Thank you.
Un peu de temps, aime la torche, mais sinon ça allait. Je vais pas me plaindre de ça, hein, clairement. Et on repasse 1 minute 20 devant. Encore plus, oh la vache! Ah, et le temps que j'ai perdu sur ce split dans le PV. Ça me casse les couilles quand ça fait ça, sérieux. Je comprends pas pourquoi il met 20 ans à hook là. Voilà. Bien joué mec. Freezard. Ok, Shadow Trial. Take.
C'est bon, ça passe. Allez. J'ai pas réussi à mettre la roue sur ma chaise. Very good. Oh, what the fuck is that? Oh shit, dude! Oh, ça va être horrible de run contre ça, même si ça PV. Oh la honte, putain. Vous voyez, dans le lettrier, Vas-y, elle est où? Elle est où? Ouais, bon. Heureusement que j'ai une fée, hein. Thank you.
Bon voilà, le practice des trials paye hein. Ouais, 11-17 c'est excellent pour le coup. J'aimerais bien un bon drop pour être safe. C'est pas très confiant, donc j'ai préféré assurer. On va peut-être du reload une fois en vrai. Mais bon. Au pire, je skip la super slide à Ganon. Take! Take! Take!
Arrête de target Zelda, putain! Trop chiant ça target Zelda, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah si, je sais, mais c'est chiant. Bon, y'a déjà des runs qui sont morts sur Ganon, donc c'est pas fini. Du coup, c'était celle-là la run où j'ai Void en faisant le Simulk. J'étais trop à droite quand j'ai side up, du coup j'ai pas. J'ai raté la hitbox de l'escalier et j'ai void comme un con. Super. Tac. Oui, alors arrête de faire de la merde, s'il te plaît, merci. C'est le seul moment du jeu où Link prend sa Master Sword à deux mains. Allez, focus jusqu'au bout. Hein. Sors d'ici, Crash, s'il te plaît. Hey!
Putain! Enfin, bordel! Oh la vache! Ça faisait tellement longtemps que je m'y attendais à ce PB! Let's go. Enfin. Ah putain, ça fait du bien, hein, la vache. Oh, j'en pouvais plus de perdre des runs partout là. Ça y est, c'est enfin revenu. Le practice paye en plus. Ça fait vraiment plaisir à voir. Hein. Le practice des trials qui paye de fou là. 11-17, c'est vraiment vraiment bon. C'est à 40 secondes du sum of best, j'ai pas du tout à me plaindre. Hein. Bon, si on prend les time save. Oh putain, c'est cette run là où j'étais 3 minutes derrière. Oh, what the fuck. Ouais, parce que du coup, je me suis fait damper combo en early. J'ai void en faisant le simul que pour aller à Shadow. J'ai raté bot skip, enfin le clip, le TSC quoi. Bon, ça allait. Bolero était très très bon, Enterfire était très bon. Block skip était très 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 bon. Fire globalement rien à dire. Je perds 8 secondes sur le Sum of Vest, bon. Le Fire est très 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 bon. Le Forest est dégueulasse. 3 minutes 30 dessus. J'ai raté. J'ai dû save warp deux fois parce que j'ai raté Jungle Jump. J'ai une bonne RNG au bush pour une fois. Enter Water et tout. Hein. Jabu était très bon aussi, hein, rien à dire. Là pour le coup, le practice a payé. Mirror Shield était dégueulasse. Naburu, Spirit, tout Spirit c'était dégueulasse. Je suis tombé en allant au Mirror Shield, en faisant la Super Slide. Spirit était dégueulasse. Twin Rover RNG était bien. Statue Claim était horrible. J'ai hit Naburu CS Skip, mais putain. Heureusement, parce que ça aurait été vraiment, vraiment injouable. Tu sais, j'ai foutu Enter Trial. Comment j'ai perdu 30 secondes au sub, là. Comment j'ai perdu 30 secondes à Enter Trial. Ah, mais non, mais je suis con, c'était Spirit Medallion, j'ai perdu 30 secondes. Ah, mais putain, oui, j'ai raté le One Cycle sur Twin Rova. Oh la vache. Ah ouais. Trial était très bon. Le Gold Shadow Trial plus Gold Fire Trial, ça va être un enfer de run contre ça par contre. Hein. La vache. Ça va être vraiment vraiment horrible. Hein. Pareil, DQ Tri excellent. Bon, Ganon c'était dégueulasse, mais bon, pas grave. J'ai enfin PB bordel, putain. Ouais, c'est vraiment du bien d'être enfin sorti de la prison. Hein. J'en pouvais plus. Yo, what's up, chef? Thanks, man. Yeah, that was some of best comparison. I PV'd by 3 minutes. And this run was a minute behind that bombs. I got Dempe comboed.
And I voided out during early shadow because I messed up the site hop to the shadow temple area of the graveyard. Like, that was 3 minutes behind my best pace ever, I think. Yeah, almost 3 minutes behind. Then I slowly ran it back. Then I had another meltdown in Jungle Jump and Spirit Temple. I'm gonna do Forest Temple ILs, I think. Because I'm getting tired of messing up Jungle Jump for no reason. Shriek fight? I got bad RNG on Shriek. I messed up Collapse Skip a couple times. Nothing too bad though. I also, I lost like a couple seconds, like 5-6 seconds to Ganon. But that's fine, really. Trials and Decatree were insane though. Like, those trials are 40 seconds off some of best. With golds on Shadow and Fire Trial, that's gonna be so bad to run against. Like, the trials practice has been paying off, which is really cool. Oh yeah, I also messed up the Twin Rova one cycle and fell down in the Mirror Shield. And still was ahead of my best split times. That was silly. But yeah, the late game in that run, I have like... I have to play within a minute of some of best after spirits. It's like the last 20 minutes. I do not look out of topic chatter. Hold on, where is off topic chatter? Where even is off topic chatter? Oh, and the Ori Discord? Yeah, I don't look at that channel. This is true. Ori true be one of the games ever made. You have my vote. Congratulations. Let's fucking go, dude. I'm so happy about this one. I've been stuck trying to get runs out of Fire Temple for a couple weeks at least. How people grind this category at top level is beyond me though. I would like to say you are in fact a beloved shit poster everywhere. Thank you.
Yeah, it really is a big old hit of dope. It's so hard to even finish runs. And especially a PB with those trials, I can be really happy about. Then the classic, classic shit child. I still can't believe my PB is going to have a Dempe combo. Alright, I'll do another run. No, I won't actually. I'm not that stoic. Yeah, I did have a lot of golds, but to be fair, my late game golds especially aren't optimized. Those two golds came out of nowhere though. They were really, really good. They're supposed to be two really consistent splits, and for some reason I managed to squeeze like 6 seconds out of Bolero. I like to think that's because my movement has improved, but it's probably not because of that. Probably some other stuff that I glossed over. But Enter Fire is definitely movement only, though. How big a goal was that? 3 minutes over a 5 minute split? Eh, fair enough. That's good. Alright. Traded the Death and Fire Temple for the Death and Forest Temple, I guess. Oh, I also got really good Lake Halia RNG. I got 5 drops. I got 3 drops on the first trip. And the second one I instantly got a drop on the first patch and then farmed the other 2 anyway, just in case. And I got another one, so I had 20 bombs. Wait, no, I got another 2 on the second patch, I think that was it. And then I ended up having 20 bombs, so it was cool. I had a lot of spares for mirror shields, so that was nice. I was able to die faster after fucking falling down. Alright, I have I still do 1 sub 2 at one point, so I think I'll keep pushing for it. Sub 2 is definitely doable if I work on improving my movement. I do kind of want to do glitchless as well. I'll do glitchless after I'm done with MST, I think. I've had my share of run killer tricks and glitches. Yes, I will, and you're not stopping me. I mean, that's what I have in mind right now. It might change, of course. What do you mean? I literally ran glitchless for like 2 months.